En gros, vous le voyez mal, mais moi je suis vraiment juste à côté. Je vais m'approcher un maximum et on va le faire envoler quoi. Toc, encore un petit coup. Non, ça va bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la fin. La série de la pelouse. Mais il est pas peureux lui, non? Donc, je viens d'aller chercher de la pelouse et on va s'y mettre. Et on s'y met. Donc voilà, j'ai mon carré, j'ai ma pelouse juste là. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la prendre. On va la poser là. Je vais prendre des graines. Et on les parsème. Tac. On va faire même beaucoup plus facile à faire comme ça. Alors ça, pour ceux qui se demandent ce que c'est, c'était des pêches dedans. Il y avait des pêches. Voilà. Donc je trouve ça super pratique, rien que pour emmener en fait mes graines dans le potager. Donc du coup, je les gardais. Et puis là aujourd'hui, ça va me servir de semoir. Comme vous voyez, j'ai un petit peu le carré. Voilà. On va mettre juste un peu plus là-bas. Voilà. Bon, c'est un petit peu. Donc maintenant, je vais chercher mon rouleau. Et c'est parti. Donc en fait, on va prendre le râteau. Et on va commencer par aplatir un petit coup comme ça. Faut pas hésiter à tasser, hein. Alors sur mon ancien carré, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une couche comme ça, j'avais rajouté la terre par-dessus et j'avais ressemé par-dessus pour vraiment être sûr d'avoir un semis qui lève pour les oiseaux. Mais là, je pense que je vais laisser ça comme ça. Tac, on va passer dans l'autre sens. Maintenant, par contre, je vais chercher mon rouleau. Donc, j'ai déjà cherché mon rouleau et on va le passer. Passe bien dans les deux sens. Donc voilà, ma pelouse est soignée. Donc merci d'avoir suivi la vidéo, merci à tous ceux qui mettront des pouces bleus, des commentaires et tout le tralala. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye bye!